monte sur la petite pointe, là. La petite pointe. Voilà. On va tester ce petit duvet, là, qui est vraiment compressible. Dans un bivouac italien, on est à 2800 mètres et on est au mois de décembre, donc les températures sont négatives. Il y a de la neige dans le refuge et donc ça sera une nuit, bon, en cas de pépin, j'ai découvrante, hein, mais on va faire un test un peu. Voilà. Première nuit dans le fantôme. Que dire, c'est une nuit qui on devait avoir à peu près du 0 degré puisqu'il y a de la neige dans le bivouac. Ça fond pas, et puis les lacets des godasses sont un peu gelés le matin. Donc au niveau thermique, avec une simple première peau en synthétique, là moi ça allait. Voilà, pour avoir vraiment chaud, on aurait pu mettre une deuxième couche, mais moi ça suffisait. J'ai eu un peu froid aux pieds parce que j'avais les pieds gelés hier, donc il a fallu que je me les réchauffe. C'est pas le duvet qui l'a fait, mais après ça allait très bien. À l'intérieur, c'est super confortable. C'est un duvet qui est... Le tissu intérieur est super doux. C'est assez relaxant, quoi. Hier, on avait une journée de baston quand même. 6-7 heures de marche dans la neige de début d'hiver. Et donc, vraiment super confort. Évidemment, bon, il n'y a pas de collerette. Donc, il n'y a qu'un seul réglage. Hein, ça facilite les choses. Après, j'ai fait en sorte que le visage qui dépasse pour pas que l'air froid rentre. Ça marche à peu près bien. Sinon, si on a besoin, on rajoute un vêtement autour du cou, hein, pour éviter, pour faire un effet collerette. Voilà. Voilà pour le premier test dans ce petit bivouac là. Ce que j'aime bien moi, c'est que le sac de compression il est vraiment de bonne qualité, quoi. Il est bien dimensionné. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est un duvet très léger. Ouais. Voilà, avec un gonflant, enfin je veux dire pas beaucoup de garnissage dedans, mais avec un gros gonflant. Et qui est, à mon avis, qui devrait être pas mal pour ce genre de périple là où on monte, où on veut économiser sur le poids, ouais. Mais on a un abri pour dormir. Ouais. Donc là on est à 3002 au mois de mars, donc c'est sûr qu'il faut quand même un peu de thermicité. Et donc on vient. Le test, ça va être de voir. Ah, tu as vu que tu n'as pas de collerette? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est soit tu te mets avec la doudoune dedans. Ouais, c'est ce que je vais faire. Soit tu mets un truc autour du cou. Voilà. Voilà, sinon, tu verras, c'est très agréable. J'ai bien rajouté la doudoune là parce que bien on se réveille. Mais sinon, j'ai pas eu froid, pas du tout. Il y avait une couche en fait. Il y a une couche, il y a le. Plus le drap. Le drap de soie, voilà. Voilà. Et j'ai pas eu froid. D'accord. Donc, tout va bien. Et le, comment dire, le confort? Bon, c'est très bien, hein. C'est le à l'intérieur c'était nickel, le matelas, bon, c'est autre chose, hein. Mais le duvet, nickel. Super. Voilà. Ça va bien. En plus il est bien parce qu'il est très léger. Hein.